La question du deuil peut aussi poser la question des événements personnels difficiles que vont vivre les collaborateurs, les salariés. Un deuil peut être aussi un deuil personnel, peut être aussi un changement important dans la vie de notre collaborateur qui peut vivre un divorce, un événement difficile personnellement. Dans ce cadre-là, souvent, là, on peut être interpellé en disant « mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Ben, vous faites comme d'habitude. C'est ne changez surtout pas votre comportement vis-à-vis du collaborateur. La personne qui finalement va être amenée à vivre cet événement difficile, quand il revient au travail, en dehors de toute la bienveillance qu'on peut lui apporter d'un point de vue vraiment socialement parlant, il a besoin de retrouver ses habitudes de travail, il a besoin d'être considéré comme tous les autres professionnels. Et l'erreur, justement, va être de vouloir changer son mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, les personnes qui sont partie très longtemps d'une entreprise par rapport à des événements personnels difficiles, même comme la maladie, vont vous dire, les gens n'ont plus le même comportement avec moi et c'est finalement plutôt ça qui va les déranger.